Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance, cette guidance pour ce mercredi 6 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite pensée positive pour ce 6 novembre, jugement. Quand une personne exprime un jugement sur nous qui nous paraît injuste ou erroné, elle peut se tromper. Si deux personnes expriment le même jugement, peut-être est-ce nous qui nous trompons. Belle pensée positive. Alors ce magnifique oracle, n'est-ce pas ? Cette fleur de vie, qui est le symbole le plus accompli de la géométrie sacrée. Elle nous aide, cette fleur de vie, à recréer l'ordre naturel, aussi bien, dans notre fort intérieur que dans notre entourage. Et en même temps, elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la création divine, n'est-ce pas ? Et que nous sommes tous en relation, les uns avec les autres. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Du moment que tu es réceptif aux miracles dans ta vie, ils peuvent alors advenir. Cette belle fleur, la fleur de l'ouverture d'esprit, te désigne maintenant les possibilités illimitées sur le chemin de ta vie. La plénitude immense de l'être se déploie ainsi, devant toi. Tu peux enfin accepter, n'est-ce pas, tout ce qui te semble adapté à ta situation. Plus grande est ton ouverture d'esprit, plus extraordinaire se révéleront les cadeaux. Et dès que tu auras vaincu toutes les objections, tu pourras jouir à ce moment-là de la plénitude qui s'offre maintenant à toi. Tu l'as bien mérité, n'est-ce pas ? Cette vie ainsi enrichie. Ouvre à présent ton être tout entier. Embrasse, embrasse ce que la vie dépose maintenant sur ta route. Et sois totalement ouvert à toutes sortes de cadeaux, mais aussi à des issues inattendues. Tout ce qui vient vers toi est désormais béni et destiné à récompenser toutes tes difficultés du passé. Ton défi, cette carte d'ouverture d'esprit, elle te rappelle que tu peux à présent ouvrir tes bras en grand. Oui, tu peux ouvrir tes bras en grand, que tu es maintenant capable, d'accepter les cadeaux qui te sont destinés. Tu sais,
Tu les mérites. Oui, tu les mérites, même si tu crois encore et toujours ne pas être digne de toute cette plénitude, de cet amour, de cette joie, de cette harmonie, de cette paix, de ce bonheur, ainsi que de toutes ces bonnes énergies enrichissantes. Des miracles aspirent à se réaliser dans ta vie. Alors, sois ouvert, oui, sois ouvert pour les recevoir, sois réceptif. Quel beau message, n'est-ce pas? Je termine avec le message de ton âme. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé s'écouter au fond de toi, ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Dans le fond de toi, tu le sais. Tu sais quel chemin emprunter. Alors écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. S'écouter. J'en parle souvent, n'est-ce pas ? Écouter sa petite voix intérieure, son ressenti, son premier ressenti, eh bien c'est toujours vrai et c'est toujours le premier ressenti qu'on devrait suivre. Waouh, des beaux messages, des belles guidances encore pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous en douceur, prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à demain, je vous embrasse.